Le village de Thauriac, dans le Lot, pleure depuis hier Justine Vérac. Un habitant de ce petit bourg a déclaré au micro de BFM TV qu'il ressentait de la tristesse après ce drame, mais aussi beaucoup de colère. Il a également affirmé que les parents de la jeune femme étaient écrasés par le chagrin et que leur vie était désormais fichue. Justine Vérac avait disparu dimanche dernier, près d'une boîte de nuit de Brive, La Charrette, où elle passait la soirée avec des amis. Selon plusieurs sources, elle se serait sentie mal en discothèque après avoir bu quelques verres d'alcool et aurait décidé de partir dormir dans sa voiture. Elle aurait alors croisé la route d'une connaissance, selon un ami de la jeune femme qui l'a laissée avec lui puis est repartie dans la boîte de nuit. Ses amis se sont alarmés en constatant que la jeune femme n'avait plus donné de nouvelles à son compagnon depuis 2h du matin. Son nouveau petit copain l'attendait, avait déclaré sa mère, inquiète de ne pas avoir de nouvelles depuis dimanche car elle entretenait des relations fusionnelles avec sa fille qui habite à 50 mètres de chez elle.